qui va rentrer sur le ring. Si vous êtes anglophone, vous aurez compris qu'en gagnant le Derby Trial, ici, il offrait une 7e victoire dans ce groupe 2 en 10 ans à Aidan O'Brien. Et oui, Battle of Marengo, ce fils de Galileo a été entraîné par le génie Aidan O'Brien en Irlande. Un cheval qui a gagné les Beresford Stakes à 2 ans. Les Beresford Stakes, une course très importante qui a révélé de superbes étalons. Sadler's Wells, Azamour, Seize Stars et désormais dans les récentes années, ils sont étalons aussi. Capri, Saxon Warrior, Japan. Il est arrivé de Ballyhane Stud en Irlande, de chez Joe Foley, un rat plus basé sur la vitesse, mais qui a envoyé ce fils de Galileo issu d'une mère par Green Desert, le croisement entre deux grands pères de pères, pour ce Battle of Marengo, arrivé invaincu sur le Derby d'Epsom. En France, il assaille 54 juments pour sa première saison au Haras des Granges. Un très beau physique, un très beau déplacement, propre au bon fils de Galileo. En 2019, il a donné de très bons chevaux, que ce soit en plat ou en obstacle. On pense à Bridge Blatlango. Lui, c'était en 2018 qu'il était placé de liste en plat. Et en 2019, Maria Magdalena, une 3 ans placée 2e de liste en haie. Et Dieu sait qu'il y a peu de courses de 3 ans en obstacle pour en Irlande et en Angleterre. Le magnifique Battle of Marengo, une superbe famille Coolmore, arrivée dans le sud-ouest. Le sud-ouest qui entretient de beaux liens et Coolmore, on a connu Walk in the Park. Désormais, il y a Battle of Marengo, une valeur sûre désormais à 1,64 m pour ce superbe cheval qui fera la monte à 2 500 € en 2020.